Coucou les coltous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte, mais pas une carte comme toutes les cartes, une carte en bois. C'est-à-dire je vais réaliser ça avec les bâtons de glace, les fameux bâtons de glace. Les petits bâtons, vous les trouvez dans tous les rayons loisirs créatifs, chez Action, ce rayon enfant, enfin voilà. Donc, la taille de votre bâton, là, il fait à peu près 10 cm, 11, je sais plus combien il fait, 11 cm, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai pris une base de carton, voilà, pour que ça se tienne bien, quoi. Donc, mon carton, je vais le faire à peu près de 10 sur 10. Voilà, je vais couper ça au scalpel. Et bah après, je vais tout simplement venir coller mes petits bâtons un peu en dégradé, comme ça, en haut, en bas, enfin, irrégulièrement, voilà. Et, ah mais j'arrive à trouver les mots des fois. Et je vais venir aussi les teinter, les marronner, hein, on va garder les bons termes. Derrière ma petite carte, je vais mettre un papier. Alors, j'avais pris celui-là, mais en fin de compte, il est trop transparent. Donc, je prends un papier, bah, des blocs aquarelles, là. Et de manière à masquer les écritures, bien entendu. Et ça me permettra d'écrire mon petit mot. Ce que j'ai pas fait sur la carte une fois finie, j'ai pas mis une petite attache. Mais on pourrait mettre une petite attache pour l'accrocher.
Voilà les amis, j'en ai fini pour ma petite carte en bois. J'espère que ça vous aura plu. Bon, ça s'est déjà vu, hein, mais bon, j'avais envie de faire ça, je trouve ça mignon. Et j'ai juste rajouté voilà, des petits éléments, un petit lapinou que j'ai découpé dans mes cahiers là. Des fleurs, de la mousse, coccinelle, et le tour est joué. Voilà. Et puis, bien sûr, au dos, vous pouvez écrire votre petit mot. À tous de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.